Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Pour avoir été déjà à la tête du SNCRS, Service National, Service Métropolitain de collecte de résidus solides. Pour avoir été déjà à la tête du SNCRS, Service National, Service Métropolitain de collecte de résidus solides. Pour avoir été déjà à la tête du SNCRS, Service National, Service Métropolitain de collecte de résidus solides. À présent, mes plus vifs remerciements s'étendent à son Excellence le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, pour sa grande confiance placée en ma personne en me désignant à ce poste à un moment particulier et difficile pour notre histoire du peuple. Plus que jamais, aucun effort ne doit être ménagé pour relever les défis de l'heure. Mesdames et messieurs, l'aspect actuel de nos villes nous invite à répondre à cet impératif catégorique, c'est-à-dire permettre aux usagers de la voie publique de pouvoir évoluer dans un meilleur environnement. Ce, selon le vœu de la mission, créer cette nouvelle entité, le SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides. Car, au même titre que tous les autres biens, la salubrité en est un. Mesdames, Messieurs, un simple coup d'œil sur l'état hygiénique du pays laisse à désirer. Et le gouvernement dirigé par M. Ariel Henry veut adresser cette question de manière immédiate par la nomination de cette nouvelle administration. Mon administration se propose, à la veille des fêtes de fin d'année, de remédier sur cet état de fait à court et à moyen terme. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de l'Environnement, en votre qualité de ministre de tutelle, votre soutien est inconditionnel dans l'atteinte des objectifs du SNCRS. Je veux parler comme du transport, du tri, du recyclage, sans oublier la transformation volet entièrement négligée jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, les engagements pris par le Premier ministre Ariel Henry pour parvenir à un climat sécuritaire apaisé dans le pays remettre le SNGRS au cœur de la lutte. Il faut initier de grands travaux de nettoyage, de balayage, d'enlèvement, d'assainissement, bref, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre en vue d'améliorer les conditions sanitaires en général. Afin de pouvoir recapitaliser les couches les plus vulnérables du pays. Je demeure convaincu qu'avec l'appui du Premier ministre et du ministre de l'Environnement, cela deviendra une réalité. Mesdames et messieurs, chauffeurs, contrôleurs, travailleurs, mécaniciens, superviseurs, j'en appelle à votre sens de professionnalisme pour relever le défi de l'heure.
temps. Je ne saurais terminer sans saluer le travail de mon prédécesseur qui m'a appelé me félicitant pour ma nomination. Votre élégance, monsieur Devalcin, est importante. Okay. Monsieur le directeur général adjoint, je compte sur votre collaboration pour qu'ensemble nous puissions relever le défi qui nous attend. Avec la présence, votre présence, mesdames, messieurs, le jeune directeur du SNGRS, je crois que la relève est assurée. Mesdames, messieurs, chers invités, la première règle de la réussite est de ne jamais remettre à demain l'exécution d'une tâche. Ensemble pour le grand coup de balai, dans nos villes et dans les espaces, et un pays physiquement fort. Rapidement, mettons-nous au travail, le temps presse. Je vous remercie. Bravo. Alors, on m'excuse parce que il y a des peuples haïtiens couvrés en bafatra totalement. Quel que soit le niveau d'étude, valait l'argent ou la classe sociale que vous croyez ou appartenu là-dedans, seule possibilité ou gain jodia pour rejoindre fierté, c'est collaborer avec SNGRS pour gérer Fatra dans le pays. Sous parole, ça y est, nous dit respect pour mon Dieu la vie, respect pour les haïtiens. Je remercie le Premier ministre Ariel Henry pour la possibilité de lui offrir pour me servir le pays dans une institution si noble, tant que SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides, qui, c'est une institution, travaille pas là, c'est lui-même en quelque sorte qui va sauvegarder la dignité comme peuple. Nous tous connaissons, quel que soit le pays où passer sur la terre, si on a besoin qu'on niveau de compréhension peuple là, ou pas besoin ni sociologue ni psychologue. Juste jeter un coup d'œil sur l'environnement, dans la RIA, ou à gagner une idée. Nous d'accord que niveau Fatra hier dans le pays d'Haïti, il a gagné dans la RIA. Ma remercie, ministre Titelno, mon frère, James Cadet, qui fait sacrifice pour venir installer la fonction et ministre nous assurer ou bien yeux sur nous chaque jour fait jour dossier pas nous dans SNGRS face à mission gain dans société ça pas qu'à souffrir ministre nous mando pour gain yeux sur nous chaque jour fait jour. Ma promesse également tout professeur soutien à la coublette tomber dans préscolaire primaire, secondaire, université, qui te contribue dans la formation. Un remerciement pour toute famille, amis qui toujours supporter moi, qui croient en moi, dans un bon conseil. Je voyais un remerciement spécial dans le monde invisible pour maman et papa, si vous êtes là, qui t'a très fier aujourd'hui, pour vous, petit garçon, Max Alex Joseph, comme deuxième capitaine qui gagne sous gouvernail bateau sauvegarde fierté nation qui c'est SNGRS. N'a remercier équipe personnelle SNGRS là ministre au connaît qu'a souffrir mais malgré pile difficulté il est toujours kembé pour faire travail yo king à la ganache pour personnel SNGRS là n'a point mot à côté tout ça me gagne comme fou à compétence, nous avons fait gérer Fatra.
arrêté à sortir pour un. L'aime qu'on est, c'est ingénieur Germain Polémon, qui c'est numéro un. Nous crier victoire d'avance. Passer ingénieur Polémon, plus compétence li, pral fen, pren contrôle, fatra tout bon dans la société. On va être certain, pendant dimanche à jeudi, que moi-même, avec ingénieur Polémon, papa, c'est pas trois mouns, non? Moi-même, ingénieur Polémon, papa, me dit, c'est pas trois mouns, c'est deux mouns. N'a fait conclusion. Nous et quoi que sans collaboration population hein, même quand nous avons tout dernier appareil avec tout dernier équipement yo travail là pas arrivé fait sans collaboration chaque grain haïtien nous même pour jouer le résultat en dans boîte là faut employer boîte là confortable et pour tout employer fier pour dire c'est dans SNGRS y a travail. Ah oui, tout le monde connaît qui est qui est ingénieur pour les mots. Un type qui va conflictuel saute l'arrivée là, mais qui croit fermement au travail. Yes. Tout vantardise mis à part. Passer pour les mots, une possibilité pour me parler de lui. Dans 4 jours, ensemble de notre communauté, m'estimer, nous jouons le monde que nous avons cherché dans le domaine ça depuis 2007 que ma milité la donne, que le ministre nous a cherché trace. Nous. Dans Arcaïe en 2007, la question gestion des chaînes. N'a dit à tout employé, fierté pas yo, c'est fierté pas nous. Si nous gagnons une revendication, pas hésiter, même une fois, une minute, même une seconde, pour nous porter, ben nous. Si nous ne disons pas l'empile, puis nous ne disons pas l'empile, mais nous avons fini comme ça pour nous dire. Après SNGRSO, duo ça, qui gagne en tant que papa, à petite là, pour le faire, fierté nous. Duo ça, harmonie ça, franche collaboration ça, qui gagne en tant que papa, à petite là, pour le délivrer, peuple haïtien en bas, fatra. Chef Révli, Révli est dans quel. Comme nous connaissons, tout discours bon fin, m'a fini pour me dire. Nous allons travailler à tout le monde dans un coup d'accord fraternel pour tout ça nous porter dans le coup nous comme projet capable de réaliser. Jean nous connaît, produits pétroliers ces derniers temps fait un pile en couler, un pile parole, un pile qui dit sous produits pétroliers. Donc de 2010, Jean nous connaît, rivé jeudi, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc nous connaissons pris au pas de jambes changer dans Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc sous l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc pour l'année ça, et situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans la pompe en Haïti. Le prix au baissé tout, il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence, les responsables. Après, nous finissons chita ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire l'association et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lit. Donc, Pria l'a bien passé à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, les mêmes, et ça nous est le diesel là, qui
qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous avons kérosène qui était à 163 gouttes, il a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça a et il a entré en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, non, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les mêmes. Nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État l'a coupé un petit parti dans la subvention. Hein? Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, ce prix, ça a eu, nous avons gagné, qui va entrer en vigueur dans le pompio à compter de vendredi matin. Merci. Tendez, disposition, ça a eu. Et m'a dit peuple haïtien, c'est pas une décision facile qu'a prend là. C'est une décision qui m'a découragé, mais c'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris une décision ça. Je dis à la pays en situation à cause insécurité qui a frappé depuis des temps l'État de plus en plus entrer moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police, par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyen n'est pas là. Je dis à là, avec la suppression de la subvention, l'État prend plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permette d'investir dans construire l'hôpital, construire centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous avons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. Dans le sens que, étant donné que mesure ça a entré en vigueur à partir de vendredi, ça dit dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence, pour nous assurer que le produit a continué à vendre dans le prix le TIA avant jusqu'à ce que mesure a entré en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Amis, la pression. Et comme le ministre Boisvert fait ce délit, gagnons ajustement qui fait sous prix gasoline, non? Mais c'est un ajustement qui fait en fonction souvelée de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur produit ça. Donc étant donné que pas gagné une augmentation significative qui fait dans gasoline, non? Donc prix transport yo pas ajusté souvelée n'a gardé. Et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gazoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagnant des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient et gazoil. Donc l'État, en concertation pour le bail, une subvention ciblée. Donc, par rapport à subvention ciblée, ça, l'État va le bail là. Donc, nous garder, nous conserver jusqu'à maintenant, même tarif qui était en vigueur là. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous était branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.